Aujourd'hui est un bon jour pour s'entraîner. Je vais être le meilleur. Salut. Salut. Je m'appelle Mariam. Enchanté. Je t'ai observé tout à l'heure. Tu as un vrai talent pour la course. Merci, c'est gentil. Tu cours vraiment bien. Merci, madame. Vous savez quoi? Je m'entraîne durement pour pouvoir atteindre mes objectifs. Ah, je comprends. Tu sais quoi? J'adore déjà ton esprit. Suis-moi. J'ai quelque chose à te montrer. Là, tout de suite, maintenant. Suis-moi. D'accord, pardon. Ces jeunes partagent ma passion. Peut-être que je ne suis pas seul dans ce rêve. Qui sont ces gars, Mariam? Attends, je fais une présentation tout à l'heure. D'accord, pas de soucis. Les gars, vous allez bien? C'est bien ce que vous venez de faire. Je vous présente Adama. C'est un coureur comme vous. Adama, je vous présente. Merci. Bon. Adama, tu peux nous rejoindre, on va faire la course aussi. D'accord, ça me dérange pas. Ok, go, on y va. Ok, on y va. Bon, c'est parti, c'est parti. Adama, je viens d'avoir une super idée. Oui, pourquoi ne pas former une équipe de course ensemble? Oui. Nous pourrions nous entraîner ensemble et pourquoi pas représenter notre communauté dans un côté. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal comme idée. Mais Mariam, on ne le connaît même pas encore. Mariam, tu sais quoi? Je suis d'accord avec cette idée. Je savais que tu allais adorer. Quitte-la, toi. Tu viens à peine d'arriver, c'est pas toi qui prends des décisions. Mais est-ce que je sais que je n'ai pas pris des décisions? J'ai juste donné mon avis personnel. Là, je me passe là. Tidiane! Mais attends, qu'est-ce qu'il a ce gars-là? Adama, ne prête pas attention, ça va lui facile. Okay. Et comment? Ce sera demain, c'est ça? Oh, vraiment, j'ai aidé, on va faire d'abord. J'espère qu'on se verra demain. D'accord, tu rentres bien. Alors, Forta. Tu m'as l'air d'être fatigué, mon fils. Comment était ta journée? C'était une journée incroyable, papa. Ah bon? J'ai rencontré une nouvelle athlète nommée Mariam. Elle est pleine d'énergie. Devine quoi, papa? Je sais pas, dis-moi. Elle m'a même proposé d'intégrer son équipe de course. Ah, c'est super, ça. C'est merveilleux, mon chéri. Nous savons combien tu aimes la course. C'est une belle opportunité pour toi. Attention, repose-toi. Surtout, prends soin de toi. Je vais bien prendre soin de moi. Qui sait? Peut-être qu'un jour, je pourrai représenter mon pays aux Jeux Olympiques. Ma prière. Tu sais, c'est bien d'avoir des grands rêves, mais il est important de penser à ton avenir. Peut-être que tu devrais songer à te trouver un travail. Sérieusement. Allez les gars, on continue. Écarte un peu les mains. Salut les gars. Salut Mariam. Salut Mariam. Salut Mariam. Et on s'entend. Bonne nouvelle les gars. Nous avons une compétition à venir. Mais c'est une bonne nouvelle ça. Oui. Et je veux que l'on montre à tous nos efforts et notre détermination. Je veux que vous donniez le meilleur de vous. Vous avez capté au bien, Mariam. Bien, Mariam. Fanta, tu as été très, très bonne tout à l'heure. Et je constate une nette amélioration dans ta vitesse et ton endurance. Continue comme ça. Je sais que tu vas atteindre tes objectifs. Bravo, Fanta. Quant à toi, Adama,
Tu as été très bon et tes temps s'améliorent de façon constante. Continue à travailler très dur. Je suis sur la bonne voie également et je sais que tu vas y arriver. D'accord? Félicitations à toi. Alors, Tidiane, Adama, sur la piste. Et moi dans tout ça? Oh, Tidiane, tu as toujours été bon. Je sais que tu vas sur la piste. Les gars, je veux que vous donniez ce que vous avez là dans le ventre. Est-ce que vous me comprenez? Oui, Maria. Pour faire plus simple, je vais chronométrer chacun de vous. Évaluer ce que vous avez. Tu sais quoi, Mariam? C'est vrai, nous n'avons pas les mêmes ressources que les autres. Mais nous allons montrer que nous pouvons atteindre nos objectifs par la volonté. À vous, Marc. Et je prends pour qui celui-là? Diane. Prêt? Allez, les gars! Allez, les gars, allez, allez! Tiziane, mais qu'est-ce que tu as fait comme ça? Adama, t'as pas trop mal. Calme-toi. Tiziane! Je suis prêt à me donner à fond aujourd'hui. Bonjour, papa. Bonjour, mon fils. Bonjour, maman. Salut, Adama. Issou, maman. Non, tes chaussures sont jolies, hein. Maman.
Comme on a une compétition bientôt là, donc je vais aller au terrain rapidement pour m'entraîner. Salut, Jérémy. Salut. Pour que j'ai une compétition bientôt. Voilà. Demande la permission d'aller s'entraîner. Mon fils, arrête-toi, Uber, tout dimanche. Pourquoi tu cours comme un lion? Amen. Bon, non, frère. Adama, cours fort. Ok. L'homme qui part. Adama. Jérémy. Comme une gazelle, ton fils. J'espère qu'ils vont pas la battre dans sa coupe. Salut, Tidiane. Tidiane, qu'est-ce que t'as? Salut, Adam. T'es déjà sur pied ce matin? Bien sûr. Nous avons une compétition à venir et je m'entraîne un peu. Ouais, c'est pas faux. Est-ce que ça te dit de venir avec moi? Pourquoi pas? Pourquoi donc on y va? Et écoute, Adam, je voulais te parler un peu de ce qui s'est passé hier. Tu sais, depuis ton arrivée, je suis un peu jaloux de toi. Tu sais quoi? C'est naturel. T'en fais pas pour ça. Pour l'instant, nous avons une compétition à tenir d'attendre. On y va. C'est bon. C'est bon. Bon courage pour ça, mais ça va. Oui, oui. C'est ça. Vraiment. Oh, je regarde. Assieds-toi ici. C'est bien. Comment va, Adama? Tonta, tu vas bien? Oui, Mariam. Merci. Tu as tardé, hein? Oh oui, les embouteillages. Donc, toutes mes excuses. Là, maintenant, j'ai une surprise pour vous. Oui. D'accord. C'est quoi? Ouvre. Mettre les balles. Pour nous? Oui, pour vous. Le long. Mon fils. Oh, merci. Oui, vous aimez, j'espère. C'est super. T'es aimé? Merci, j'aime bien. D'accord. C'est ma manière à vous de vous dire merci. Et vous faites comprendre à quel point je crois en vous. Donc, donnez le meilleur de vous. Maria. Au long de cette compétition. D'accord? Je peux compter sur vous? Oui, Marie. Ok, d'accord. Donc, okay. On y va. Bon. Félicitations, papa. Félicitations à tous. Merci, monsieur. Félicitations. Merci. Félicitations pour tous. Merci. En tout cas, vous avez été remarquable. Vous représentez véritablement l'inspiration de ces jeunes pour être aujourd'hui. En guise de reconnaissance, voilà, votre esprit sportif et votre détermination et votre engagement dans le sport, ceci est pour vous. Ceci est pour nous. Ces médailles pour nous. Ouais, ces médailles sont là. C'est génial. Yes. Ouh.
Bravo. Merci, merci. En tout cas, vous représentez véritablement les valeurs d'une unité incarnée par le sport. Et en tout cas, les valeurs, vraiment, avec l'engouement que vous avez, je vous félicite. Et merci, monsieur. Moi, j'avoue. Merci, monsieur.